Aujourd'hui, j'ai 1h15 de footing. Demain, j'ai 2h. Ça constitue mon petit week-end choc. Je vous explique ce que ça veut dire en cours de sortie. On a le temps pour ça. Le but de ces deux sorties, c'est évidemment de travailler l'endurance musculaire. On fait une petite pré-fatigue avec le footing du samedi. Et comme ça, quand je vais arriver sur la sortie longue dimanche, demain, eh ben j'aurai les jambes déjà un petit peu fatiguées. Et ça va travailler un peu plus sur l'endurance. Vu que le cycle est court sur 3 semaines, il faut utiliser des petits artifices comme ça. Et surtout un volume conséquent, mais sans intensité, pour limiter au maximum les risques de blessures. C'est tout bénef au final cette petite prépa à marathon, parce qu'elle va s'inclure à quelques mois du marathon du Mont Blanc. Donc ça me permet de commencer à shifter de la vitesse du semi vers le volume pour faire ce marathon du Mont Blanc. Bon, je finis ce petit 1h15. Je vous retrouve demain pour la sortie de 2h et je vous dévoile mon secret pour qu'elle se passe sans souci avec une prépa aussi courte.